li pa ka kache sa ke ambasade Ameriken te toujou genyen dialog avèk anpil chef gang an Haiti, men dialog sa yo te toujou kon fèl pou proteje e ambasade Ameriken avèk proteje employe kap travay nan ambasade lan. E ben, jodi an la, si ambasade Ameriken touche pa plizye bal de machin, ambasade Ameriken pase pa anpil bal neg e viv ansam, spesyalman neg ki soti torsel avèk 400 marozo, nan pale de vite lom avèk et l'amour sans jour, c'est pour vous montrer que même yo même dans tout cas et fait toute diversion ça yo. Parce que comment on voulait pour ambassade l'arrêter dans espace ça qui très dangereux pour que jamais gagne attaque qui fait sous lui, est-ce que c'est peur nèg vivant sans peur ambassade américaine vu que nous connaissons toujours des soldats réserve dans ambassade américaine nous pas connaît mais ambassadeur ali même est-ce que c'est qu'il peut pas qu'il veut parole ça pour monter sur une chaîne télévision dans interview que la bail il dit que toujours gagner et parler qui qu'on fait avec plusieurs oui toujours chef de gang yo qu'on a là on a posé peut-être nos questions si deux missionnaires qui étaient habité et depuis combien d'années dans pleine là si auto bien babal nèg a gros âme dans plein nan, eh ben faut nous connaît que c'était vite l'homme qui était gagné responsabilité avec chance que ambassadeur américain était bali pour te al derrière cadavio dans plein nan pour porter bayo pour te transporter aux États-Unis. Alors nous ouais que ambassadeur et Denis Bruce Hanking pas bay menti parce que faut nous connaît que missionnaire Léo fin prend balle et nan men nèg yo, eh ben c'est vite l'homme qui te gagne responsabilité vu que malgré nous connaît que vite l'homme son nèg qui gagne gros recherche sous les ambassades américaines département d'état metti 1 million li vinn passer à 2 millions de dollars américains. Non, qu'on a posé cette question, est-ce que c'est le département d'état qui gagne un problème avec vite l'homme ou bien est-ce que c'est tout et représentant américain qui gagne un problème avec vite l'homme? Parce que si vous mettez 1 million de dollars ou vient passer la 2 millions de dollars et puis ambassadeur Denis Bruce Hankins quand il dit que yo toujours parler avec chef gang yo pour protéger ambassade là avec employé yo mais ou, est-ce que c'est pas dans risque passer population là si on connaît CNN ou connaît CNN ou connaît BBC News toujours débarquer vienne prendre interview là mais chef de gang ça mais si le département d'état chercher là 1 million de dollars à passer à 2 millions de dollars pour que ça tout CNN pas tout dit mais pour qui ça BBC News va tout dire meni? Pour qui ça ambassade américaine pas toujours pas tout dire meni? Alors c'est nous même malheureux j'ai passé dans bêtise j'ai dit on monde qui kembe vite l'homme ou bien qui bail cachette vite l'homme que yo prend vite l'homme là il a gagné une récompense de 2 millions de dollars américains pas oublier tout gagne Jimmy Cherizier alias barbecue qui était campé qui t'a dit que lui-même li tout dernièrement il était rendu dans une réunion en ambassade américaine te gagne policier qui était well qui était tremblé pour faire bois le yo wè ke an de machine kapote an de ambassade américaine gagne Jimmy Cherizier alias barbecue qui a participé dans gros réunion an de ambassade américaine alors c'est pour me dire que même so wè ka passé en haïtien là si nous pas dégager nous kembe américain nan coup pour nous soukil pour nous faire connait que nous pas d'accord et nous connait que gagne relation qui a développé entre lui même avec toute majorité et on nous dit majorité chef de gang qui gagne en Haïti yo c'est pour montrer que n'a toujours été dans même ça depuis c'est Amérique qui a proposé choix pour nous qui a dit OK mais qui ça qu'on fait n'a toujours été dans même choix dans même dérive que nous là je te promets hélicoptère de guerre pour venir mener opération côté hélicoptère de guerre pas gagné je te promets plus accompagnement et dans question mission qui gagne là ambassade américaine te promet en pile accompagnement avec la police nous en tout ça yo bay comme accompagnement OK mais est-ce que c'est suffisant nous pas croire que c'est suffisant pas gagne accompagnement jam Jean Way a bay Ukraine Jean Way a bay Israël a bay l'autre pays yo mais si ambassade américaine là il toujours c'est lui même qui gagne aura et pour parler de ambassade américaine là ou parler de on parler de même pays faut population haïtienne n'en connaît quand il s'agit de ambassade américaine yo parler de maître pays c'est eux même qui décider c'est eux même qui fait choix c'est eux même qui proposer et ben en pile bagarre a dévoilé là que ambassadeur qui là pas ta kembe et ben dévoilé que faut on monde connaît que ambassade là toujours parler avec chef de gang pas étonnant sous qu'on est ambassade américaine parler avec Izo pas étonnant sous qu'on est ambassade américaine parler avec Mano pas étonnant sous e grand avin tout soit qu'a privé à l'ambassade américaine toujours parler avec monsieur Bougo il toujours parler avec et qui toujours parler avec petit jeune dans des bagages ça bon tu vas dire aussi c'est tel parler avec bandi ça bon lui même qui pas un bien blau si ambassade là dit qu'on parle avec nèg yo pour que ça n'a voyer opération
pour qui ça ambassade de Denis Tikapel te dit comme ça que l'est arrivé pour toute bandi remédiable parce que ça li wè ça yo gagnen comme mission pour haïtien là pas gagne rien dedans c'était bluff depuis 29 février et pour arriver jusqu'à présent nèg ba nous menti pourtant que toujours gagne relation entre bandi avec et autorité étrangère sous sol noir vous comprennent oui l'anti jeune ou a vivre dans pays ça ou pas ka l'école ou ouais ou pas à manger ou ouais parents qui t'apprennent mais c'est pas qu'à travailler ou ouais que pays en deux jours je vous ai plongé la plongée dans tout alors là vingt ans des ambassadeurs qui campent qui disent bagay ça ou même et c'est ça que vous campez les qui disent là dans moment là ou pas rien que quitter pays d'Haïti parce que mettez tout ça qui a passé à la police continue à mourir dans opération malgré yo voulez mener bas à la pour bail sécurité dans pays mais ouais gagné on met kabay et la police gagné on met kabay et gang yo gagné on met kabay la police ça gagné on met kabay gang yo parce que dès pour qu'on parle avec nèg là on va pas dire moi on parle pas là gang yo plus bagay yo bay gang yo plus bagay parce que ça ouais qu'a privé en Haïti là les plus favorables au côté de bandio pour moun qui vle yo au lieu de la police. Là un policier tombé dans opération, en pile monde crié, en pile famille a de jusqu'à présent, mais faut nous connaître, faut nous commencer à légier non pour nous voir que ambassade l'a pas caché non, c'est que si ambassade l'a connait balade avec négio, pour que ça pas qu'on la paix qui jeune, pour que ça pas qu'on solution qui jeune et parler avec négio matin midi soir les jours qu'on parle avec négio, c'est pas pour presque parler mettez là. Mais pendant qu'on parle avec Bougoua, Bougoua a décidé de mander 20-15 balles, 50-15 balles. Il a décidé de mander un arsenal d'armes qui est vraiment sophistiqué. Faut qu'on pas penser que Bougoua parle pas la vote, il a dit pas la vote juste pour parler, ou bien si on kidnappe qui fait tout parler pour relâcher yo. Eh bien, missionnaire et Canadien avec Amérique qui était kidnappé yo. Au lieu que c'est l'État américain, nous pas oublier tout, dans le kidnapping, ça a été fait que le 4 mars, a été fait sous missionnaire. C'est l'État haïtien qui a payé rançon. C'est BA, c'est 10 millions de dollars, ou plus que 5 millions de dollars américains pour te payer, pour te alaguer mon yo sous mon cabrit. Ou même missionnaire, ça a été dit que c'est rété, ou sous mon cabrit. Oui. Faut nous pas oublier que l'État haïtien lui-même les sont marionnettes liés les gars des bagages qui rivé au lieu de chercher mettre et toutes cellules en marche mettre des CPJ en marche mettre ministère intérieur en marche mettre ministère défense en marche pour connait comment on camener opération pour aller derrière moun yo et ben gagner département d'état qui te dit que pas négocier avec gang et ben c'est l'État non même dans tirer recette nous gagner dans petite taxe nous gagner qui t'a décaissé plus que 5 millions de dollars américains non malet côté allongé ba et la mort sans jour pour te relâcher missionnaire mais valait monde qui kidnappé valait haïtien qui maltraité qui kidnappé que payé par un payé rançon yo malgré ça yo toujours jeune gladé qui mouri brûlé ou vienne comprendre que nous gon l'état marionnette on l'état pépette comme si depuis c'est américain ou l'état prêt pour porter solution pour porter et pour retirer mon côté mais quand il s'agit de haïtien qui a kidnappé matin midi soir haïtien qui a courir en bas bas haïtien qui a eu à bouler ou pas l'état vraiment sous qui colle pour ta dire OK on va décaisser l'argent pour réparer caille mon pour chercher solution la paix. Mais quand il s'agit de missionnaires américains avec canadiens qui kidnappé, vous entendez que l'état central décaisse dans BH combien de millions de dollars pour aller bailler pour relâcher mon. Mais nous-mêmes haïtiens les nous kidnapper c'est par en nous malgré faux par en nous des fois ça qu'on mal passé c'est cadavre là nèg fin pour cobla c'est cadavre là que par en joine vous d'accord avec moi alors c'est pour toute raison ça que m'a dit et carrément là nous non pays qui marche faut au moins chaque jour qui joue que haïtien prend pile précaution parce que ou pas un pays qui contrôlé par l'état parlant mais au moins qui contrôlé par étranger qui sous sol là. C'est étranger qui dit, c'est étranger qui fait, c'est étranger qui passe l'ordre, c'est étranger qui fait presque toute bagaille. Comment on veut pour ambassadeur? Oui, comment on veut pour ambassadeur lui-même sans le pas même réfléchir dans interview pour dire nous pour dire grosse bagaille ça pendant que nous connaît que ou apprend forcer la police ou demander la police pour le camper jam pour le battre avec bandi et puis ou même ou toujours gain relation à parler bandi clairement c'est comme si ou ka dit planification qu'on fait dans mi-temps et institution PNH pour mener opération et puis ou connaît que il difficile pour ambassade américaine pas connaît mais depuis ou connaît ou carré les mêmes nèg tout pas jamais connaît ambassade la carré les nèg dit OK gain telle opération mais comment planifier cap vinn attaquer nous. Des fois, on pense que c'est haïtien qui a bâillé information et puis son étranger qui a fourni information avec Negyo pour mettre pression, pour faire attaquer la police.
c'est ça que c'est ça qu'faut toujours ouais, les difficile pour les policiers rester campé parce que ça yo bail la police comme et munition, ça yo bail la police comme zam pour mener bataille contre négio ou toujours ouais que la police sorti perdant. La police se fait près plusieurs semaines là campé dans Solino malgré au gain chablende, au gain gros armes, au gain munitions. Il y a pour essayer repousser négio mais on voit finalement à 80-90% et samedi hein, et nèg vivant sans yo yo déploie une force sous Solino, yo mettait du feu dans plusieurs cas, y a pile monde courir, faut nous connaître tout même monde qui t'a tiré ce monde qui t'a vivre Delma 24 yo samedi hein, c'était gros courir dans Delma 24 tiré pour nous et bon yo ouais que yo pas arrêter encore yo courir parce que nèg yo fin frais ça fin Fernand dans Solino a, et puis yo mandé yo gain plus quartier qui en bas contrôle yo dans Delma 24. C'est pour nous dire que même la police qui a Chablende, hein, il n'a pas apporté solution. Hein. Même soldat kenyan qui vient là, qui dit que la travaille avec la police, hein, ou bien ouais, c'est blague, pas qu'une solution qui a apporté vraiment, parce que chef nous, chef paysan, maître paysan, il a dit que il a une relation avec Negyo. Depuis qu'il y a une relation, il y a une demande, faut nous pas concevoir seulement c'est l'argent que Negyo a demandé. C'est normal que Negyo toujours protégé avec Zamyo, avec Balio. Ou ka wè que yo mande ambassade américaine ba yo on carrière parce que nèg yo situé sur toute côte sud là nèg yo contrôle sud là net nèg yo rete dans quartier et village y a recevoir n'importe bateau à n'importe le capoter marchandise pour yo oui que la police pa même gen contrôle on nous dit Carrefour qui te gagné bureau semana côté nous gain police qui t'a doué sous contrôle sous bateau qui fait patrouille qui contrôler la mer qui contrôler ça qui rentrer ça qui sorti et mais nous pas gain vraiment qui représenter c'est avant hier tout récemment dans repousser que policiers avec population à Kaya t'ai repousser nèg yo t'ai ouais que t'ai gain deux trois petits bateaux la police qui t'a flotter sous la mer qui t'a contrôler et nous fin connait que bateau nèg et 5 secondes t'ai chargé t'ai fait naufrage nèg yo t'ai coulé mais au moins pas gros force vraiment sous la mer qui gon contrôle côté semana côté garde côte nou yo et policier garde côte yo formé dans ambassade américaine vous comprenez si policier formé dans ambassade américaine moi était quoi que yo t'a pas comparé avec des armes avec balles ou t'a toujours avec bateau qui sophistiqué pour contrôler la mer pour nèg c'est pas nèg qui gen zam c'est pas bandi vraiment qui t'a dû contrôler la mer mais l'arrivée dans situation comme ça là où l'élite qu'on est là pour nous pencher vers un autre bagage pour nous garder et pour nous orienter et je nous vers un autre bagage parce que ambassadeur a parlé avec nous clair il pas dans caché il dit nous et est-ce que c'est tout c'est pas un genre qu'on a dit si on a parlé d'Oumgaz c'est pas d'Oumgaz ambassadeur a pris dans dos pour ta crache vérité ça parce que me paraît que jusqu'à présent m'a posé mes questions est-ce que vraiment t'es ambassadeur à droite pour moi dans là parce que pour ambassadeur campé pour le dire pendant que vous c'est vous même qui a dit ouvre sécurité c'est vous même qui a fait réunion dans l'ONU c'est vous même qui met et réunion dans l'ONU pour dire que nous pour déployer et soldats sur territoire pour nous bailler sécurité et ben ambassadeur a pas caché ça après que deux machines ambassade américaine fin tomber en babal nèg tactement auto bon bagaille tout et ça découvre parole et Macandal et monsieur ka dit ça tout pour nous chercher le bail qui est ce qui connait force le parler avec tout gen ça tout. Mhm. Monsieur Kadi ça. Si nous a fait payer tout bon vrai, laisse ça lui-même nous pas le faire le bail qui est qu'on force et pas la gang. Monsieur va te mettre tête dans vie d'Haïti. Blau, qui est sous penser? Qui est sous penser tout monde capter de nos channel là blau. Qui est sous penser en Haïti pour un courage dans notre channel là pour ta écoute sous ou ta et ambassade qui n'a fait questionner au fond ta zéro et qui ça qu'on dit vraiment relation qui gagne avec et ambassade américaine avec yo qui est supposé haïtien pour le fond bagarre comme ça parce que tout haïtien qui dirige là ou tout nèg qui gagne gros poste dans l'état yo tout nèg ça toujours baisser tête yo quand il s'agit de ambassade américaine quand il s'agit de ambassade Canada ambassade de la France l'autre étranger qui vient sur sol là nous pas gagne des dirigeants qui fort et pas fort mais non nous pas gagne dirigeants qui fort nous pas gagne dirigeants qui gagne caractère qui gagne souci nous on dans le donnant nous pas gagne dirigeants qui gagne sens de responsabilité pour ta dire mon fin temps nous bagaille comme ça et puis pour pas soude ambassadeur pour ambassadeur ta répondre plus question pour ta questionner le fond pour connait exactement qui relation et qui ça qui compte dit plus mais nous pas gagne monde parce que
Parce que même là, tu m'as posé cette question, est-ce que c'est pas ton bluff littéré, est-ce que c'est pas ton diversion littéré dans la question missionnaire américain à Canada qui est kidnappé dans mon cas, pas dans 400 maroons. Parce que nous connaissons que depuis l'élève, à bataille à Concombre, nous pas jamais connaît que aucun nèg qui gagne zame mais était toujours à attaquer des missionnaires des étrangers américains. Comment on voulait je dis pour gagner du gros bagage ça qui passait 400 maroons kidnappés plus que 10 missionnaires et américains canadiens et puis l'état américain c'est lui-même qui gagne mission pour aller décaisser l'argent pour aller bailler nèg yo et puis pour moun yal lagé mon monde cabri tout monde fait qu'on est bailler l'argent décaisser mais nous connaît que pendant yon en prison gagner l'état haïtien qui décaissait plus que 5 millions de dollars américains pour te remettre nèg yo pour larguer missionnaire parce que yo pas 40 rial le prend yo mais n'a poser nos questions est-ce que c'est pas ton jouet qui t'ai gagné entre 400 maroza avec ambassade américaine vu que ambassade a déclaré nous t'ai toujours un dialogue entre gang avec ambassade américaine est-ce que c'est pas ton diversion qui t'ai gagné tout que même ambassade américaine t'a demandé 400 maroza fais ça parce que gien des bagages de pour faire yo pral voir toute institution en Haïti paniquer. Missionnaire qui tombé aussi n'a posé tête nos questions deux missionnaires qui tombé dans pleine qui salteye vraiment qui salteye parce que depuis on parle avec nèg qui gen zam moi te quoi gen baga ou ka di nèg yo pour pas faire mais ou juste dit que ambassade là t'est toujours parlé avec nèg yo c'était pour protéger ambassade là pour pas tirer sur ambassade là pas tirer sur machine ambassade yo pour pas tirer sur employé mais jodi en là côté oui côté sécurité ambassade là côté sécurité rapproché qu'on dit qui connaît dans et déployé avec tout et consul et ambassadeur et ambassade là côté et la police parce que ambassade américaine est supposé même genre toute l'autre institution à prendre protection dans la police là moi te que ambassade américaine pas grand monde là qui monter chef de la police pour pas mettre en sécurité tight devant ambassade américaine. Vous m'en avez dit, mais là où est toute diversion, ça fait tout bagage, ça va passer. Et puis, je dis là pour l'ambassadeur à tout bagage ça. Et comme ça, Vincent, ou non dilemme, ou pas qu'à comprendre est-ce que vraiment c'est ambassadeur à Kabay Manti, ou bien est-ce que c'est diversion qui a fait. Parce que tout ça qui a passé en Haïti, ou là, ou vin ou est-ce que vous fixé sous et missionnaire étranger en Haïti. Gen ambassade et américain qui frappé deux machines frappées gen hélicoptère UN cap survolé et pour aller porter manger qui frappé gen deux missionnaires depuis l'éclatement ça depuis 29 février à là gen deux missionnaires qui tombé qui c'est petite américaine qui tombé et puis gen l'autre zak qui fait tout sous kidnapping l'autre et citoyen américain qui a passé sous troisième circonscription qui était subi en bas à kidnapping mais si jodi on dit nos bagages ça la pose nos questions est-ce que tout kidnapping ça a été pas fait avec l'ordre ambassade américaine est-ce que tout et des autres ça a pas fait avec l'ordre ambassade américaine pour faire diversion pour montrer tout le monde que même ambassade là toi a subi par acte et banditisme dans pays hein pour nous montrer population côté nous garde mais je dis alors dit bagaille comme ça moi m'était quoi que faut qu'haïtien ramasser pied yo haïtien c'était qu'on a gaillé quoi yo a plagué quoi yo penser que si on fait là il pas arriver yo et ben ambassadeur a lui même je dis il pas cacher vérité et son vérité qui t'a de gain plus question gain plus débat qu'a fait sur lui mais là regarde tout monde gaba la gang tout et ben c'est ça oui c'est nous même ambassadeur a presque voulu faire nous comprendre là c'est nous même qu'a bêtisé tout là ouais Abdou y a fait mission y a préparé mission y a aller chercher soldat. Comment ou pas ouais tout gagner et président Salvador qui dit que le paré pour le bail hélicoptère pour le bail ceci pour le bail soldat pour venir en Haïti ou jamais ouais gagner accès qui bail pour ambassadeur et pour président Salvador ou jamais ouais gagner accès qui bail pour Salvador déployer dans cadre mission Salvador tu lui pas besoin comme parce que lui même lui connaît Salvador connaît qui ça va le faire oui. Yo connais Salvador Lelvin là, c'est pas juste qui va le faire, c'est mission déployer, c'est pénétration qui va le faire dans toute gros base gang yo. Et ben pas jamais grand accès qui bail non, dans l'ONU pour pays Salvador. C'est comme si yo concevoir Salvador que président Salvador est fou. Logique. Bon c'est nous mêmes qui gros et américain, nous mêmes qui gros la France, gros Canada, nous pas préoccupé nos deux missions, c'est juste la faire en Haïti. Bon même on vini, vu que on saute marre plus de 50 000 monde qui était dans gang dans tout coin dans pays là. Et vous venez carrément pour venir dire au bord accès pour venir à hélicoptère pour venir avec et char de guerre pas char blindé non char de guerre on venir à char de guerre on venir à hélicoptère de guerre pour venir attaquer négio
mais ambassadeur a parlé avec tout le monde là et moi était quoi que message ambassadeur a bail là dans interview t'a bail là moi était quoi message ça a passé en dans l'ONU tout parce que faut tout le monde qui a siégé en dans bureau l'ONU faut que connaît que ambassadeur Denis dit yo li yo li connaît que ambassadeur là était toujours gagné bonne relation avec chef de gang yo était toujours qu'on a parlé. Eh bien, si ça, même gens ça dit en Haïti, il faut le dire en Andalonie tout. Mm-hmm. Vous comprenez, pour débarquer, pour montrer que tout pays qui voulait avancer sous question vin bay aide dans mission là, peut-être qu'à régner la paix, mettre stabilité dans le pays, hein. Eh bien, je dis, hein, tout le monde ça, nous vin connaît pour qui raison au campé à l'éca. C'est parce que l'ambassade américaine, c'est lui-même qui gagne responsable, c'est lui-même qui met Haïti, c'est lui-même qui gagne dialogue avec Negyo. Alors, Negyo, si gagne dialogue avec Negyo, moi, t'es quoi, Gouan? Bon amitié qui gagne, il pas voulu que nèg détruit vraiment, il pas voulu que Haïti vienne gon la paix parce que plus mon a horrible là, plus Haïti a mouri, c'est plus que ou vinn ouais que et américain li gon responsabilité dans ça qui a passé parce que si on parle avec si on parle avec nèg yo faut qu'on dit nèg yo tout déposer zam. Si on parle avec Negyo pour protéger l'ambassade américaine, il faut qu'on dise Negyo, suspend prendre zone monde, suspend faire mal avec lui. Si on parle avec Negyo, il faut qu'on dise Negyo, ou pas avec kidnapping, il faut pas kidnapper ni missionnaire américain, ni missionnaire canadien, ni peuple haïtien tout. Si on parle avec Negyo, il faut qu'on dise Negyo que ça y a faire là dans le pays, il n'y a pas qu'à porter solution et ça qu'a fait dans la tour, nous connaissons le bon maître. Mais si c'est parler pour protéger l'ambassade seulement, pour protéger l'employé ambassade, moi te crois que le groupe haïtien dans couri, le groupe haïtien mourir le boulet et que les zones boulet plus de caille, ça pas faire ambassade américaine ni chaud ni fret. Parce que c'est même Kofiolo, c'est même Akoli Clio qui fait bagarre en Haïti. Vous comprenez? Ou pas qu'à concevoir que grand pays qui voulait et venir régler bagarre sérieux dans mission là, il pas besoin d'avoir accès. Il n'y a pas besoin d'ouvrir la porte là-bas et rentrer. Parce que ça a bien fait là, c'est détruire Gagnon et Gagnon, yo-même, yo-même, bonne relation avec mon nom, pas à penser. Alors là, un homme, il a mon corps, il a frappé le stomac, il va mener l'opération. Faut que l'homme, il a mon commencé prudent. Faut que les policiers ont commencé à bagarrer l'autre gens. Parce que Negyo, il n'y a pas caché la vérité encore. Il a dit clairement, mais ça qui compte gagner entre gang avec et missionnaire américain. Mais ça qui compte gagner. Nous rappelons nous Madame Lalime, tout le monde te dit que Madame Lalime Camp te dit que avec la Fédération G9 là, que Babeku t'a dirigé, eh bien, ils sont contents parce que il y a une solution à la paix qui fait, et pas gagné un kidnapping qui fait en bas d'Elma. Avec Fédération Gang, il applaudit Gang, c'est que Gang c'est normal pour Babeku te fédérer Gang ça, parce que avec Gang c'est solution. C'est ça Madame Lalime Camp te dit. Eh bien, vu que gagne barbecue même qui pas caché tout qui était tout que qu'on a participé dans réunion à l'ambassade américaine nous vous déjà connaît que toute participation ça toute invitation ça était qu'on fait avec madame Lalime était qu'on fait avec des représentants de l'ambassade américaine parce que c'est invitation yo c'est pas lui même qui levé qui dit le voilà dans l'ambassade américaine ou fou comment vous t'avez pour Jimmy Cherizier alias barbecue t'a prend machine pour ta start pour ta dire pour aller pour la demander et réunion pour la demander si t'as parlé avec nous et ben c'est mon qui fait l'invitation avec tout qui étudio yo connaît que rien pas privé yo fait l'invitation yo fait le venir dans titan ambassade là alors même policier même mandat qui décerné contre et barbecue un policier ou apprendre dans ambassade vous pensez un policier va gagner pouvoir pour l'arrêter et Jimmy Cherizier malgré lui même dit comme ça que si pas de gagner arrêter le bien avant de qu'on aller dans ambassade américaine là et ben jodi là va pas arrêter là quoi vous comprenez mais monsieur quel est tout le monde qui mourit. Regardez tout le monde qui perd du caillou. Regardez toute zone qui est écrasée. Regardez tout du feu nous mettez. Eh bien, tout ça, c'est avec complicité étrangère. C'est avec complicité Madame Lalime qui était applaudi et Fédération G9. C'est avec l'ambassade américaine qui n'a pas de jambes, pas de dialogue avec les gangs. Eh bien, je dis là, nous venons arriver dans une situation, c'est les policiers qui ont mouru dans la mission. C'est malheureux, ça prend une balle. Mais comme ou jamais un représentant binu ou tant de frappé ou jamais tant de un gros représentant de l'ambassade américaine frappé c'est pas ça n'a demandé mais si ou moun sont pas frappé et puis je dis à ou déclare ça et ben nous venons ouais que tout ça qui a passé en Haïti là li gon met tout ça qui a passé en Haïti là li gon met et ça qui a privé Haïti à Haïti là c'est bon bagaille pitié faut nous pas penser que malgré ouais faut gouvernement malgré ouais faut et bon côté Normil Rameau. Faut pas penser que ça a capoté solution blau.
ça fait pas apporter solution parce que yo gon gros bras derrière yo nèg qui gagne zam lan mais illégal en Haïti yo gen gros bras derrière yo lor on planification fait on opération fait pour attaquer un chef ou va attaquer un gang faut au moins réfléchir pour connaître si pas gagne et demi qui ancien ou gagne tant bail toute information nous pas comprendre bagaille ça bla ou opération sur opération pour jamais gagne solution. Eh bien, gros fournisseur qui a fourni les balles. Les nègres qui ont dit, c'est eux-mêmes qui achètent, ils ont dit qu'ils toujours acheté des armes, toujours acheté des balles. Mais quantité de balles qu'ils ont gagné avec des armes, ce n'est pas simple. Gon commande, gon niveau, gon groupe national, ou pas qu'à commander, ou pas l'État, gon groupe bagaille, ou pas qu'à commander. Les nègres qui ont toujours commandé, ont 10 armes, ont 2 caisses balles, ont 3 caisses balles. Mais nous, on est capable de commander plus que 20 à 50 caisses balles pour faire distribution. On est capable de commander plus combien Galil. Combien T65 M14 AK47 mes amis blau sous pas un dirigeant dans l'état ou pas chef de la police ou pas premier ministre ou pas ministre de défense comment fait que n'ayo gain accès pour recevoir toute carrière dans ça yo c'est que nous ouais qu'on y a là que mais mettre moun yo mais mettre nèg yo moun a mouri ça pas dire ambassade américaine rien ça pas dire binuan rien ça va dire ambassade Canada ambassade de la France rien parce que jodi an ambassade américaine déclare que il toujours un dialogue avec negyo les démissionnaires mouri pour dire éviter l'homme calde démissionnaire pour porter quoi ambassade américaine pour mettre un avion pour transporter aux États-Unis qui ça ça y est blao qui ça ça veut dire mon capitaine de yo comment comprendre que pour avec rançon de on kamikaze. Pour ta mettre le de on djihadiste pour ambassade américaine ta gen bonne relation avec nèg yo. Et mais jodi an li te 1 million de dollars, jodi an passé à 2 million de dollars américains. Il y a cherché vite l'homme. Et puis pour ambassade la dit qu'on pas la vite l'homme. Pour CNN prend avion, li débarquer en Haïti et puis avec toute quiétude, yo menen lan base vite l'homme nan torsel et puis là il fait interview et puis département d'état a metté 1 million 2 million de dollars américains pour Jimmy Cherizier alias Barbecue Joule que le connentré à la réunion en d'ambassade américaine qui toujours a dit que faut Haïti gagne la paix faut Haïti pas dans tolérance avec gang que même Jimmy Cherizier ça qu'on a chita dans ambassade américaine en pile journaliste américain qu'on allait dans grand avion aller dans Tibois à faire interview avec nego mais quand il s'agit de journaliste haïtien qui a le point interview qui a le filmé en quartier ça il déclarer le gang arrêté ou bien même policier qu'on des fois qu'on pas contrôler puis vider balle sur ça c'est que nous même nous pas accès pour aller grand avion pour aller Tibois pour aller faire interview pour aller filmer pour aller voir ça qui a passé dans pays mais quand il s'agit de journaliste américain tout gain accès parce que c'est eux même qui contrôlent. Mais vous contact direct même ambassade qui va journaliste numéro et l'autre débat non et même non qu'on y a là yo meto non et tout yo faut connait que nex ça c'est gang c'est diable c'est bête à cognoyé pour ne pas chita dans tolérer avec parce que oui depuis on a détruit la vie monde ba ouais sens pour un monde et a dans cette langue a bien vivre avant mais ambassade américaine jodi a lui-même c'est lui-même qui a contrôlé c'est lui-même qui a fait tout bagaille yo et ben les missionnaires les journalistes en vini nous connons essayer un haïtien a chercher pour entrer dans le ghetto mais nous tout connaît nous tout déjà connaît que son bluff ambassade américaine déjà gagne tout contrôle il gagne tout numéro de téléphone il gagne tout adresse li sort écrivé hélicoptère UN avant et moi ka c'est seulement vie moun yo qui était dans hélicoptère 18 membres yo qui était dans hélicoptère qui ka paniquer nous. Mais nous tous connaissons vraiment là, soit privé ou là, ambassade américaine connaît yo. Ambassade américaine connaît yo clairement blau. Vous comprenez? Et bien, c'est dans le cadre ça, jodi an nous trouvé nous. Jodi an, faut que les policiers qui en dans ça avant même nous déplacer pour aller dans la mission, faut qu'on réfléchisse à tête. C'est pas dimzou pour parler dans la mission, pour parler comment carrer sécurité dans le pays. Mais immédiatement qu'on finit d'aller ambassade américain qui répète une parole comme ça, faut au moins nous commencer sous qui qu'on est haïtien. Faut au moins nous commencer sous qui qu'on est comme policier haïtien que nous prenons un complot qui nous pas contre ni tête li, nous pas contre ni queue. Et c'est même nous t'a parlé sur dossier Salvador là. Et avait dit yo connaît Salvador capoter solution, yo pas accepter venir dans pays. Et même là commissaire Miskade, si yo te vle ou comprendre porter une solution formel en Haïti. Imagine, vous avez pris le commissaire Miskade
pour ba yon formule comment yo ka destruire gang yo nan pays. Mais non, c'est parce que dès qu'on va régler ce problème ça. Imagine ou si ou gen yon moun nan dan pays côté ke moun ça li même ou elle compte gang nan dan pays ya. Mais relé le mettre sous table là. Mettez le sous table là pour le dire est-ce qu'il capable écoute mail dans sa gueule là bon il pas j'aime relé hein et je suis d'affaire avec vous et où est-ce que nèg la décider pour payer ça sur ce côté là soyez mais pas que nèg qui décide nèg là a fait comme et puis et peuple là comme son on pas que peuple CDD et puis peuple là lui-même a gardé ou cap craser cap briser et l'autre débat ça cage l'autre débat parce que moi te pour que toute réunion qu'a fait dans l'ONU tout monde descend que dirigeant haïtien a fait pour aller dans l'ONU agita a dit mais sous qui point tout c'est bluff mon cher c'est un groupe blanc qui réunit là et puis l'état lui même il prend plaisir dans prend près d'IM dans monter avec tout le monde dans l'ONU dans monter avec tout le monde dans département d'état pour soi-disant chita sous question insécurité cap dégringoler en Haïti hein. Mais au fond nous tout connaissons bluff. Vous pensez si c'est l'autre pays blanc et après on 2-3 mois, il va pas être chonan et connait là pour faire élection. Américain va être chonan quoi pour faire élection. Après même nous fin tande que ambassadeur américain déclare un bagage comme ça. C'est carrément si nous avons un dirigeant qui gagne caractère d'homme. C'est carrément déclaré persona non grata dans pays. Logique, mon cher, logique. C'est déclaré persona non grata dans pays. Hein, que un ambassadeur sous campo dit un bagage comme ça, mes amis. Si vous même que nous connaissons haïtien toujours dit bon, quand il s'agit de américain, pas gain des ordres encore. C'est ça qui fait que dans place mission et Kenya, c'est Kenya que vous choisi. Tout le monde est connaissé bluff. Parce que tout le monde connaît que haïtien gon grain craintif après bon Dieu dans ciel les États-Unis d'Amérique. Pour que ça c'est pas ton 5000 ou ton 3000 soldats américains ont été déployés là sur nous pendant que nous t'ai ouais que tout avion qui t'a transporté bagage c'est aux États-Unis t'a sorti. Alors qu'a ba nous matériel avec un groupe soldats que nous que grand pile reproche sur capacité ou dans question et mener combat. Nèg yo pa vle entrer en faire pénétration, nèg yo pa vle descendre, c'est presque ti côté nèg yo descendre, mais quand il s'agit de aller dans 3e circonscription pour mener opération, nèg yo pa descendre. Quand il s'agit de 400 maos zone en base 400 maos zone, nèg yo pa vle mener opération yo, mais où est que c'est temps qu'a passé, c'est temps qu'a perdu. Eh ben ambassadeur aujourd'hui à lui-même, je dis à la toute vieux m'a gagné tout chaque temps m'a fait analyse sur déploiement et la police m'a tout font analyse, m'a tout gagné argument que ambassadeur Denis Ankins dit non. C'est que nèg yon parle. Nèg yon parle mon cher. Nèg yon contact direct. Nèg yon parle. Pour nan nomi Ramo lui-même, qui ça pral di? Qui ça PM Gary pour ni pral di nan kasa? Après tout moun rete bouche bée, mais si c'est ton haïtien qui t'est campé. Un diplomate haïtien qui t'est campé qui t'est dit que ministère affaires étrangères toujours gen relation avec nèg yon parle. Ou t'a demandé pour retirer ministère, t'a demandé pour arrêter tout moun qui nan confio là avec nèg yon. Mais pour qui ça ambassadeur a dit ça et puis pas gagne enquête qui même pas gagne rien dit pas gagne note qui sorti au sein de gouvernement pas gagne note qui sorti dans conseil sécurité tout le monde campé à regarder c'est que c'est logique moi même il pas un secret pour moi non parce que même CPT ça ouais là tout il ca connaît des bagages il connaît lui vu que il connaît que occuper poste dans pays c'est faire l'argent il a fait l'argent. Mais par rapport aux occupations, c'est pas une volonté qui gagne dans mitan nèg yo pour régner la paix en Haïti. Tu comprends? Ah, une volonté. C'est pas vraiment une décision, c'est pas une responsabilité qui gagne dans mitan nèg yo pour dire après régner la paix en Haïti pour tout monde qui reprendre vie au normal, pour monde suspendre dominant là, oui, pour tout monde qui à l'école. Pour moun ki t'ap travay reprenn travay normal moun ki te gen business yo mais konn la fòk gen des fonds ki disponib mais pareil pas ça k'ap rigre nan peyi an et pas ça k'ap rigre nan peyi an c'est que ça k'ap passe en Haïti an blaou fòk tout moun konnen que c'est un bagage c'est pas un bagage comme si que même nèg avec zam nan décide faire son mission lié même jan wè ou déploye on mission sou an la yo di k'ap vin collaborer avec la police et ben même nèg wè gen zam nan tout gros base gang yo gen mission blaou. Je dis à faut qu'haïtien connaît que son mission yo gagne. Blaou m'a dit merci avec tout le monde qui t'a prêté notre temps pour t'attendre
émission Paroi qui s'est parlé pour changer sous Go Haïti. Merci avec vous même qui fait que rejoindre channel là, merci avec like ou merci à commentaire, merci avec partage, merci avec ça ou bail comme participation sous zèle là sous cache là pour kembe émission ça en vie petit coulier, li vraiment vraiment important pour nous, nous même. Alors nous casser rendez-vous pour 4 heures, n'a dit tout le monde cap vivre en Haïti, si ou pas vraiment gen un gros urgence pour la rien, contrôler avant même ou sorti, pas aller n'importe côté, pas dire que ou bien temps aller ou tourner parce que Haïti l'a plongé de jour en jour et nous même haïtiens nous doué qu'on